Cette actu, les amis, concerne Meta avec une polémique, encore une fois, ou sur un truc, vous n'allez pas aimer. Ça va vous chatouiller quelque part. Il existe, les amis, une réglementation, notamment aux États-Unis, qui dit que les enfants de 13 ans, moins de 13 ans, n'ont pas accès aux réseaux sociaux. C'est comme ça. C'est la règle aux États-Unis. Bon, bah du coup, comme la plupart des réseaux sociaux que nous utilisons chez nous, mis à part TikTok, ils sont issus des States, il y a cette règle-là, 13 ans, moins de 13 ans, non, pas de compte. Pas de compte Instagram, pas de compte Facebook. Il faut être, voilà. Il faut être un petit peu éduqué, il faut en avoir parlé à l'école. Faut que tes profs t'aient appris à faire le tri. Faut que tu sois un petit peu mature. Faut que tes parents t'aient bien élevé, bien encadré. Bref, réseaux sociaux, Meta, groupe Meta, Facebook, Instagram, non. Non, si tu as moins de 13 ans, non, tu ne peux pas créer de compte Instagram, tu ne peux pas créer de compte Facebook. Ok. Ok, ça nous va bien, sauf que c'est du bullshit. C'est du bullshit total. Épingler le groupe Meta, notamment pour Insta et aussi Facebook, où on s'est rendu compte que d'une part, oui, il y a des enfants moins de 13 ans et on sait, on arrive à voir qu'ils ont moins de 13 ans. Donc si nous, on le voit, Facebook, Instagram, qui sont quand même des champions du monde du « je te repique les données sans que tu m'aies donné trop ton consentement, mais on va faire avec quand même », savent aussi normalement que c'est des enfants de 13 ans ou moins de 13 ans. Et ben, on se rend compte qu'il y a des enfants de 13 ans, moins de 13 ans, qui ont quand même des comptes Facebook, Instagram, qui sont exposés à plein de trucs, ils n'ont pas forcément le filtre, qu'ils commencent à se faire embarquer dans les logiques Instagram. Tiens, on a vu ça hier, vous savez, les influenceuses super canons qui en fait sont fake au possible, même pas avec des filtres. Maintenant, dans des influenceuses, c'est de l'IA, de la création de l'intelligence artificielle totalement du début à la fin. On a vu ça hier dans l'émission, les amis. Bon, et ben, et quand t'as moins de 13 ans, bonjour pour te heurter à ça, tout ton feed Instagram. Tout est fake news sur Facebook, tu vois un truc, tu crois que c'est vrai, tu le vois sur Internet, c'est faux. Tu vois des trucs tu complexes avec des photos sur Instagram où tu te dis « Waouh, mais qu'est-ce que c'est que ce monde ?» Bon, 13 ans, moins de 13 ans, normalement c'est niette. Eh bien, épinglé par les instances américaines, Meta, sommé de s'expliquer « Viens par ici, mon petit zut, il faut qu'on cause. » Il y a des enfants de 13 ans, moins de 13 ans qui ont accès à l'application, donc tu ne régules pas comme il faut. Pire, certains de ces comptes ont fait l'objet d'un signalement auprès du groupe Meta. Attention, tel compte, c'est quelqu'un qui a moins de 13 ans, il ne devrait pas être là. Et Meta a paumé beaucoup de messages, a vu passer ses alertes et les a discrètement placés sous le tapis. Ils ont un gros tapis chez Meta, à l'entrée, comme ça, un gros tapis, en gros, épais. Voilà. Et bien, dessous, il y a les trucs... les signalements que l'on peut faire et que Meta décide de ne pas prendre en compte. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, il y a une affaire, il y a un truc, données personnelles, les enfants, réseaux sociaux, Meta a dit « Ok, je joue le jeu » et ça finit sous le tapis. Pas cool, je ne sais pas comment va finir cette histoire, mais à mon avis, ça ne va pas être bien et vous pouvez parier que chez nous aussi, dans quelques temps, on aura des restrictions beaucoup plus strictes parce que la machine gouvernementale américaine est lancée contre Meta, donc on devrait avoir des choses un peu plus strictes en termes d'interdiction pour les enfants d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres réseaux hein, qui s'y mettent, YouTube est déjà plutôt pas mal là-dessus.